Ah là, celui-là. Nous, on va s'intéresser à l'Alpine 110R. R comme radical, comme racing. Après l'Alpine A110, après l'Alpine A110S, l'Alpine A110R est vraiment la plus radicale, comme en témoigne son petit spoiler qui, franchement, moi j'aime pas trop, je trouve ça fait un peu too much. Mais bon, c'est vraiment pour la compétition, pour le coup, ça a un intérêt. Regardez-moi ce toit tout en carbone, mon dieu. Et puis bon, l'Alpine A110, moi ça me fait plaisir de vous la montrer même rapidement parce que c'est une des voitures les plus réussies de ces dernières années, incontestablement. Regardez-moi les jantes aussi qui sont spécifiques à cette version. Tout comme cet intérieur qui est quand même assez racé, on va pas se le cacher. Regardez-moi ces sièges. À la différence des autres versions, ici, ce sont des harnais. Pour aller chercher le pain, c'est un peu pénible, je pense. On a tenté d'alléger et de rigidifier le véhicule au maximum. En témoigne ce capot, regardez aussi, tout en carbone. Personnellement, je préfère la 110 de base que je trouve plus pure, mais quand même, elle est sacrément jolie.